I believe I can fly. Coucou. On est vendredi 15 mars. Il est... J'ai mis ma bougie devant. 8h31. C'est vrai maintenant. Ben ce matin, ça peut aller. Ouais. Ça peut aller. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar, par contre. Enfin, c'est pas vraiment un cauchemar. Il faudrait que je regarde sur Internet. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait longtemps que j'avais pas eu ça. En fait, vous êtes dans un rêve. Et il y a quelqu'un qui vous tient, qui vous empêche de bouger. Vous essayez de crier, mais le son, il veut pas sortir. C'est terrible. Et après, vous vous réveillez, mais en sursaut. Et des fois même, bon là, non, là, j'ai ouvert mes yeux. Je me suis dit, non, je repars pas là-dedans. J'ai l'habitude, hein, c'est pas la première fois que j'ai ça, mais bon. Si vous vous rendormez tout de suite, vous repartez dans le truc. Ou même des fois, encore pire, vous vous réveillez dans votre rêve. Mais vous êtes toujours dans votre rêve. Je crois que ça s'appelle, je sais pas, soit une crise d'angoisse en dormant ou une terreur nocturne. Je regarderai, mais c'est très très désagréable. Enfin, c'est moi. Hein. grosse journée aujourd'hui. Bah, regardez, il est que 8h30 et là, je viens déjà de balayer, laver mon sol. Ouais. Parce qu'après, il faut que j'aille travailler. C'était pas prévu, elle me l'a demandé que hier. Je suis loin d'être en forme, mais bon, il faut. Hein. Il faut. Elle a besoin de moi et voilà, vu que là ça va à peu près, je vais y aller. En fait, elle a une sciatique aussi. Je sais que vous êtes plusieurs à me regarder et en ce moment, elle avait une sciatique. Alors moi, je connais, j'en ai eu un. Là, je sais pas si c'est à cause de l'humidité. Moi, j'en ai déjà eu 4 au moins. Ouais. J'en ai eu 2 quand j'étais jeune, hein, quand j'avais 25, 26 ans. Mais en ce temps-là, je faisais énormément de sport. C'était une autre vie. Hein. 15 ans en arrière. Beaucoup de vélo, beaucoup d'équitation, tous les jours. Donc je pense que c'était ça, le trop de sport qui m'avait fait attraper les sciatiques. Mais je vous comprends, ça fait très 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 mal à pleurer de douleur. Et après, j'en ai rattrapé 2 à la fin de mes 2 dernières grossesses. Donc pour Aaron et Mia. À mon avis, c'était le poids. Pour Mioche, j'étais obligée d'aller accoucher en béquille. Voilà. Là, depuis ce temps-là, je suis tranquille à ce niveau-là. Voilà, on va pas parler trop vite. Hein. Parfois, j'ai des petites douleurs au nerf, mais rien qui dure. Ou parfois, toujours à la même jambe. Parfois, la nuit, j'ai une crampe dans la jambe droite. Je sais pas. Enfin voilà, pour vous dire que gros courage à celles qui ont des sciatiques, ça fait très mal. Donc bah après du coup, je vais aller travailler. C'est pour ça que je vous prends maintenant, parce que vous savez que ça me fatigue énormément quand je vais là-bas. Surtout en ce moment. Donc au cas où, je vous reprendrai pas comme ça après. Donc je vais faire ça, généralement c'est de 10h à midi environ. En plus, après, il faudrait que je repasse vite fait à Carrefour parce qu'il me manque 2-3 petites choses. Après, il faudra que je finisse mon rangement et tout pour les enfants, ma douche, nana, bah la journée va passer vite. Voilà. Et ce soir, je serai enfin avec mes petits cœurs d'amour. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Julie, bah, je vous dis, je pars vers 10h à peine. Julie, quand c'est comme ça, je la fais manger vers 9h30. Parce qu'après, s'il est midi passé, ça fait tard pour elle. Hein. Moi, je lui donne, parce que Luigi, c'est pas pareil, à manger 2 fois par jour. Donc, après, ça va tout décaler. Et voilà. Luigi, c'est pas pareil, parce que lui, c'est par petites portions. Voilà. Je peux pas lui mettre tout d'un coup. Sinon, il serait capable de tout manger d'un coup. Donc, combien de fois par jour? Le temps, il tourne. Ah, ils ont prévu de la pluie. Pour l'instant, non, mais c'est prévu. Je lui mets quand le matin tôt, en même temps que Julie, en même temps que Julie. Le soir, la nuit, 5 fois par jour environ. Voilà, sa dose de croquettes. Bon, je vous laisse. Et quoi qu'il en soit, à ce soir pour les petites assiettes. Bisous, à toutes. Coucou, c'est moi, en entier. Bisous.
vendredi après-midi. Il est 2h30 passées. Il pleut, averse. Ça y est, c'est reparti. Je vais regarder si je peux retourner. Non, je pense pas. Non, on peut pas retourner l'écran. Bon, je vous reprends après. Non, je peux pas retourner. C'est comme avec mon téléphone. C'est pas grave. Le temps ce matin, ça allait encore. Bon, c'était prévu, hein. Voilà. Non, ben, je vous reprends pour vous redonner des petites nouvelles, du coup. Ça va à peu près pour le moment. Un peu fatiguée, hein, quand même. Grosse matinée. J'ai été travailler, ça s'est bien passé. Je suis repassée à Carrefour vite fait. En fait, je voulais du jambon. Ouh, mon oreille siffle. À la base, je voulais 2 ou 4 tranches. Et il y avait une super offre. Et en plus, il m'a l'air beau. Hertol, le bon pari à l'étouffée. 6 plus 2 tranches offertes, soit 8 tranches. Il est pas mal en plus. Pour 3,36 €. Ça va, hein? Voilà, donc je voulais vous demander du coup. Je voulais en utiliser ce week-end et le week-end prochain. Mais moi, le jambon, je sais pas comment le conserver. Si j'ouvre, 2, 3 jours après, c'est fini, quoi. Et je veux pas le congeler. Donc vous savez pas comment bah on peut garder du jambon quand il est ouvert une petite semaine, quoi. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Du coup, je vais pas l'utiliser là. Je vais le garder pour le week-end prochain. Oups. Et puis voilà. Non, mais j'ai pas si j'ai encore un tout petit peu de rangement à faire. Mais après, bah, j'ai plus qu'à attendre impatiemment l'arrivée de mes petits cœurs. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ils sont là. Oui, alors moi je l'ai ramené à 4 pour toi. Ça commence déjà bien. Voilà, c'est écrit plaisir Bah, je d'offrir. pensais que c'était la carte que t'as oubliée. Il n'y avait pas que ça. Ah, ok. Alors Attends, là, Ron, s'il il te y a plaît. ça. Alors là, c'est moi et tout. Oups. Ouais, Non, oups. j'enlèverai ton nom de famille, je le cocherai. Ok. Là, bah, moi j'ai un ourson. Il est là. Ici, il y a flocon. Étoile 1, étoile 2, étoile 3, étoile de bronze, étoile argent, étoile d'or. Et après, bon, il n'y en a plus. Mais t'as eu l'ourson. Ouais. Et après, c'est déjà bien pour un Tu commencement. veux me le montrer en vidéo, mon cadeau? Bah oui. Alors, moi, pour toi, bah, prends-le. Je vais essayer de te l'appuyer. Non, 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 il n'y a Non. pas de Bah, protection ok, chez les. bah. J'ai pris un porte-clés. Attends, c'est... baisse, 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 on voit rien de nous. Pardon, il Waouh, merci mon cœur. Dorias. Albier, la perle des Alpes. Je t'avais aussi pris une carte, mais la carte, je te la ferai montrer la semaine prochaine. J'ai oublié de la prendre. Elle est dans mon lit. C'est pour vous, les abonnés et maman. Eh ben, en plus Kenzo y a pensé à vous les abonnés. Ouais. Bon, j'ai pas pu prendre un cadeau parce que j'avais plus de sous, mais. Je vais vous donner un petit goûter. Oui. Bisous. Bisous. Petit goûter salé. Des petits chips à la tomate. Oh, Zozo, il n'y a plus que le fromage. Ah oui, et l'olive. Avec une petite olive et une petite boisson. À toutes pour le repas. À toutes. Ah, ma Gigi. Ticotate. T'as eu des bouts de fromage en plus. Chacun lui a donné un bout de fromage. C'est tout, ma belle, c'est tout. Et un petit coucou de Luigi. On est toujours vendredi. Il va être 8h déjà. Donc ce soir, comme prévu, c'est pâtes râpée de jambon sauce carbonara. Par contre, moi, ça passera pas la carbonara. Donc je me suis fait avec la sauce madère. Bah oui. Allez, bon app et à demain. Tu veux ton nouveau popo aujourd'hui ou demain? Non, pas aujourd'hui. Eh non, je filme, chérie, je Je filme. regarde pas. Non.
Ben non, on regarde pas avant. Attention, je filme. Je t'ai dit de pas regarder. Oh. C'est pas pour toi. Tiens, fils. Déjà, c'est un peu. À moyen. Elle a un gros nez. Bah oui, en plus, avec un gros nez, t'as vu? Alors? Tu le montres à la caméra ou pas? Oh, trop mignon. T'aimes bien? Ouais. Regarde, tu le montres. Il peut même se mettre comme ça. Ah, les abonnés, ils l'ont déjà vu. Oh. Bah oui. Il peut même se mettre comme ça ou comme ça. Bah oui, mon cœur. T'aimes bien? Oui, ouais. Bonne nuit. Bisous. Coucou, on est samedi. Ouais, samedi 16. Il est midi et demi. Donc pour ce midi, j'ai fait une petite salade de tomates. Donc tomates, sel, poivre, ail en poudre, vinaigre, l'huile avec les petits dés de fromage. Je voulais mettre du gruyère. Malheureusement, il était ouvert. Il a moisi. Donc tant pis. Repas fromager, hein, du coup. Avec chacun deux petits toasts aux chèvres, chauds. Et les fameuses bouchées de mac and cheese que j'ai achetées à Picard. Alors, je vais essayer de vous en couper une en deux. Je suis désolée, c'est pas très pratique pour vous montrer. Mais quoi qu'il en soit, attendez les enfants. Ça a l'air bien fondant. Quoi qu'il en soit, ça sera dans les produits finis. Et d'ici le week-end prochain ou celui d'après, on vous fera ensemble un produit fini. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'ai les mains toutes grasses, j'ai toujours pas de protection. bon app et à tout à l'heure de l'autre côté. Bisous. Attendez parce que... Pousse pas la tablette, hein, y a pas encore la protection. Hein. Donc, on est toujours samedi 16. Il est 13h15. Je viens de finir ma... Arrête, on va te voir, là. Ma vaisselle. Alors, moi, je comprendrai jamais. Il y a des cheveux, j'ai horreur de ça. Nous, les adultes, les vieux, hein, on va dire, quand on vient de manger, on est au bout de notre vie, on n'en peut plus. Les enfants, c'est l'inverse. Quand ils viennent de manger, ils ont encore plus d'énergie. Voilà, c'est la digestion. qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, du coup, vu que je ne vous ai pas pris comme ça, ils sont bien arrivés hier vers 5h30. Ça a été, je vous ai mis des petites images et tout et tout. Bonjour. Bonjour. Abonné. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Vous savez, c'est qui s'écrit dessus? Rien. Je m'appelle Aaron. Non. Si. Ah non, c'est Zozo, hein. Non. Bah, il vous a expliqué hier son petit ourson qu'il a eu à la neige et tout, mon petit cadeau. Et tu pourrais montrer... En fait, Kenzo, il a fait là-bas une soirée, quoi, poker? Oui. Poker? Casino? Et il a gagné. Et je suis trop, trop contente parce qu'il a pensé à son frère et sa sœur. Tu nous les montres? C'est génial. Le lien, il est là-bas. Ouais, mais remets ton masque alors, parce qu'on va te voir là, de ce côté maintenant avec l'angle. Il est dans son sac. Et c'est trop gentil de sa part. Il arrive. Non, c'est pas celui-là, chérie. Je trouve pas. Il trouve pas. Mais c'est pas celui-là. Attends. Non, tu peux pas aller là. Il y a la. T'as celui de. Bah, enlève-le! C'est le même, c'est les mêmes de toute façon. Enlève-le. Regardez, trop mignon. Donc il a gagné pour Aaron un rouge et pour Mia un bleu. Un bleu. Je suis trop fière de lui. Tiens, passe pas là. Voilà. C'est tout ce que tu racontes, chérie? Bon. Bah, oui. Ben, ce midi, c'était bien. Bon, de toute façon, d'ici le week-end prochain... Attends, faut pas qu'on voit mon adresse. Tu verras si on l'a vu. Ouais. D'ici ce week-end prochain... Ah,
le week-end prochain ou celui d'après, on vous fera un produit fini ensemble. Hein, mon cœur. Donc, je vais l'ouvrir. Tu pourras les sortir si tu veux. Enfin, les sortir comme ça, pas du paquet. Donc, j'ai reçu... Attends. Hein. J'ai reçu ma commande Temu. Ça a été très vite. On va voir. Hein, là, je viens de l'ouvrir. On t'a vu. La commande. J'ai passé il y a une semaine, même pas 10 jours. C'était entre le 16 et le... Ben, on est le 16 et j'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est génial. Donc... Je vais vous montrer, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais vous dire les prix vu que j'ai mon. Attends, c'est pas bien ouvert. Mon téléphone maintenant, du coup. Tu veux le faire ou je le fais toute seule? Je veux le faire. Tu veux le faire? Alors, en même temps, je vais. C'est un peu brouillon, hein, comme d'habitude. Hein, quand je m'étais mue. Alors, on commence. Chaque... Voilà. Attends. Tu peux montrer si tu veux. Faut bien montrer, hein. Voilà, c'est le fameux câble dont j'avais besoin. Donc, c'est un côté USB-C et un côté micro USB. Donc, déjà, on va voir si ça rentre dans mon téléphone, déjà. Et si j'arrive, à la base, c'est pour pouvoir mettre les vidéos de mon téléphone sur la tablette. Donc, alors, je voulais... Ah, j'arrive pas. Je voulais vous montrer le prix. 1,98€. Bah, au pire, on va déjà essayer ensemble, ne serait-ce que voir si ça rentre dans le trou. Bon, USB-C, ça va rentrer, hein, mais côté mon téléphone... C'est quoi, un câble de chargeur? Non, c'est pas un chargeur, chérie, pas du tout. Normalement, si ça fonctionne, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est pour pouvoir mettre les vidéos, là, comme j'ai à te dire, en fait, chérie, de mon téléphone pour les mettre sur la tablette pour mes montages. À transférer alors. Ouais, voilà. Mais ça, je vais pas essayer aujourd'hui, hein, je vous dirai. Je suis toujours pas douée avec ni la tablette, ni le site CapCut. J'essaye. Alors, est-ce que ça rentre? Verdict. Ça rentre pas. C'est génial. Pourtant, c'est, on m'avait dit micro USB. Ça attends. Non, ça, c'est pas le bon côté. C'est trop grand. Non, ça rentre pas. Voilà, c'est réglé. Bon, ensuite. Ensuite, on va sortir... Ouais, ça, le reste, ça n'a rien à voir, donc on fera en dernier. Oui. Ah, mais on ne voit même pas. Là. Alors, voici... La pochette dont je vous avais parlé aussi. Pour protéger la tablette. J'espère qu'il va aller. Là, je pourrais pas vous l'essayer en direct, hein, bien sûr, vu que je suis en train de filmer avec. Parce que moi, là, j'ai trop peur, en fait. J'ai trop peur de la casser. Hein. Il suffit qu'elle me glisse des doigts, surtout que je suis pas très douée. Et ça me semble petit, non? Et il y a qu'un... Arrête, s'il te plaît. Ouh là là, je sais pas si je suis convaincue avec tout ça. Il y a des traces de doigts. Il n'y a que le derrière. Il n'y a pas le devant. Et moi, c'est le devant surtout que je veux protéger. Il n'y a que le derrière. Alors, niveau taille, ça devrait aller. J'essayerai. Mais moi, c'est surtout le devant que je voulais. Donc, pour l'instant, de toute façon, extrêmement déçu du coup. Parce qu'il n'y a rien qui va aller. Mais bon, écoutez. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, 5,99€. Mais je pensais avoir devant derrière. Génial. Parfois des mauvaises surprises. Hein. On en reparlera demain après tant que... Et pour terminer... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cartes murales, mais moi postales en fait. J'ai vu un gros lot de 50 cartes avec des portraits de chiens, normalement tous différents. Et je me suis dit que ça serait super sympa parce que je les ai trouvées trop belles. Attends, on voit pas tout... Donc voilà, je vous en montre les deux. On va faire moitié-moitié. Quand j'ai, moi, un petit courrier à vous envoyer, je trouve que c'est super sympa. Après, il y en a plein, hein, il y en a 50. Après, c'est mural. Bon, c'est un peu du papier glissant derrière. Donc pour écrire, après, on a intérêt d'attendre que ça sèche.
Mais bon, et ça, j'ai payé, je crois. J'ai plus envie, là, en fait, dans le sens où. Tiens, tu fais pas des bêtises avec ? Un peu déçu, là, pour les appareils pour la tablette. Voilà. Mais bon, je vais quand même vous donner le prix des cartes. 7,48, mais sachant qu'il y en a 50. Voilà. Après, c'est. Voilà, je vous parle comme ça arrive, hein. C'est. Bon. Mais moi, c'est. Le pire. Le pire, c'est pour ça, en fait. Parce que j'attendais impatiemment d'avoir la protection. Mais avant-arrière, j'ai que derrière. À quoi ça va me servir, quoi. S'il tombe, donc on en revient encore au même point. Et le câble, bon, pour le moment, je me débrouille autrement. Je vous avais dit avec 8 transferts. Mais. Ouais, c'est pas tous les mêmes. Voilà. En plus, j'avais prévu de repasser une petite commande bientôt. Je vais vous montrer. À voir la qualité, à voir si ça va, parce que là, voilà. En fait, j'aimerais vous refilmer des petites recettes prochainement. J'ai envie de vous en faire quelques-unes. Mais avec la tablette, c'est juste impossible d'avoir l'angle sur ma table. Pour mon téléphone, j'utilisais ça, vous voyez, le petit trépied pour le téléphone, que je pouvais baisser quand même pour que vous ayez en vue la table. Mais pour la tablette, il me faudrait un peu la même chose. Mais pour tablette, là, c'est bien trop petit. Et j'avais vu ça, mais du coup, je ne sais pas. Je vais voir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est grand. C'est grand, ouais. C'est grand, c'est sur pied. Et c'est à la taille, normalement, de la tablette. Voilà. Et pour seulement 13,48 €. Donc, je vais voir. Voilà, après vous savez que je ne vous filmerai pas. Mes recettes, je les filme à ma façon, on va dire. Non, l'abîme pas plus, s'il te plaît. Parce que là, il me sert à rien, mais bon, je vais pas le jeter. Je peux quand même le mettre. Ah oui, mais il sert à rien, chérie. Si, on est bon. Si la tablette elle tombera et elle cassera quand même. C'est comme la nôtre. Je peux pas vous. J'ai jamais vu votre tablette. Je peux pas vous filmer dans mon coin cuisine. J'ai aucun angle pour filmer, c'est trop petit. Donc à chaque fois je fais sur ma table, je peux pas vous mettre devant mes plaques de cuisson, j'ai aucun angle. Enfin voilà. Bon, grosse déception de cette commande. Voilà, on verra bien. Et sinon, bah écoutez, il va être 1h30. Bah qu'est-ce qu'il y a ? On part dans 4h. 2h30, 3h30, 4h. Dans 3h. 3h. Ah ouais, vers 4h30, je pense, après le goûter. Ah oui. Voilà. Bon, bah écoutez, moi pour le moment je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ouais. Tu veux dire au revoir ? Non. Au revoir. Et merci à tous les abonnés qui se sont abonnés. Merci. Coucou. On est dimanche 17 mars. Il est 10h05. Il fait moche. Ouais. Il fait tout gris, par moments il pleut. Voilà. Bon, les enfants sont bien repartis hier après le goûter, comme prévu. Ils vont très bien. Pour le moment, je vais bien. Faut que ça dure. Alors, ce matin, je voulais aller faire un petit tour au parc de la Ronelle. Parce qu'il pleuvait pas. Il faisait gris, mais il pleuvait pas. 8h15, Carrefour, il ouvre à 9h le dimanche. Je me suis dit, allez, ça me fera un petit tour. Juste je sors, il pleut averse. Bon, je me suis dit, je vais pas re-rentrer pour attendre 9h, hein, zut. Donc je suis allée mettre un peu d'essence. En plus c'est bien, le dimanche il n'y a pas de circulation. Tôt le matin comme ça, il n'y a personne. Et après, bah, je suis repassée à Lidl. Lidl, il ouvre à 8h30, donc en attendant. Mais j'ai rien acheté, j'ai juste fait un tour. Je voulais acheter des galettes Wrap, parce qu'elles sont moins chères. Mais j'arrive à la caisse, il y avait plein de monde, avec des chariots et tout. J'allais pas, c'est pas urgent, donc j'allais pas faire la queue pendant une demi-heure pour un paquet de wrap. Donc j'ai rien pris. Voilà. Et après, bah, je suis repassée à Carrefour, je me suis pris des petits trucs à manger, hein, il faut. Hein. Je voulais de la viande en anti-gaspi. Généralement, c'est là que je la prends parce que ça revient moins cher, quoi. Mais il n'y en avait pas. Donc tant pis. Du coup, ce soir, je pense que je vais manger un sachet de riz. Avec, je m'étais gardé, j'espère qu'elle est encore bonne, un peu de sauce Faritas, là, au bocal, quand j'avais fait ma recette.
Et bah du coup, j'ai des nuggets. Bon, voilà. J'aurais préféré de la viande rouge, mais c'est pas grave, ça sera des nuggets. Alors, j'ai pris des œufs. J'en avais plus depuis un moment. Donc 10 œufs Simply à 1,65 €. Je me suis pris des Curly parce que j'en avais envie. Voilà, c'est rare que je mange des chips. Puis je me suis dit, bon, pour prendre ceux à 40 centimes, j'ai envie de prendre les vrais. Voilà. Donc Curly, 100 grammes, 99 centimes. Mais ça, vous voyez, je mange le midi. Le midi, je mange des petits trucs. Je mange jamais d'à côté. Je mange jamais à côté, moi, à part les repas. Donc j'en mange quelques-unes le midi avec autre chose. Je me suis pris du coup aussi pour les midis éventuellement de la soupe. Deux petites briques de velouté, légumes et vermicelle. Une brique, c'est 30 centilitres. Pareil, ça fait super longtemps. À 1,69 € les deux briques. Et pour terminer, j'ai pris des petits beurres. Je trouve que c'est cher. 2 fois 12. 12 sachets de 2. Petit beurre original. Oups! Carrefour. C'est cher hein, quand même. 1,15 €. En fait, c'est parce que pour le week-end prochain, je voudrais faire pour les enfants les flans. J'avais fait vanille l'autre fois, vanille et spéculoos. Et là, je voudrais leur faire framboise. Mais je pense pas qu'avec spéculoos, ça va le faire. Alors dedans, éventuellement, je mettrai des petits bouts de petit beurre. Et après, ils sont pas perdus parce que moi, pour déjeuner, c'est nickel. Voilà. Donc, c'est tout pour les petites courses. Voilà. Bah là, j'ai plus bah, rien à faire. Il fait moche, on est dimanche. Voilà. Mais pour le moment, ça va. Pourvu que ça dure. Vous savez, je contrôle pas ce genre de choses, mais là, ça va. Ben, cet après-midi, j'irai faire un petit tour sur le live de Christine. Elle fait un live, ça sera le deuxième. Je vais vous montrer, comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne. Elle est sympa, elle fait des petites vidéos de. Elle montre ses courses, elle montre ses promenades, ses repas. Enfin, moi, j'aime bien. Et je vais aller un peu sur son live cet après-midi. Donc, si vous voulez y aller aussi, hein, je pourrais aussi vous faire coucou en même temps si vous voulez. Alors, attendez, je vais juste vous montrer. On a le temps, hein. Ouais, on a le temps. Sa chaîne, parce que maintenant c'est plus, enfin, c'est plus facile de pouvoir vous montrer vu que j'ai le téléphone avec moi, même si c'est loin d'être facile. Voilà, regardez. Alors, attendez, c'est Christine en pleine forme. N'hésitez pas. Et elle va faire un live cet après-midi à 15 h. Bon, désolé, c'est flou, mais vous voyez un peu ce que je vous montre. À 15 h. Voilà. Sinon, moi, j'en ferai un probablement, si ça va, hein, lundi ou mardi ou jeudi. Parce que le mercredi, non, parce que moi je vais sur le live d'Audrey. Voilà. Et le vendredi, non, parce que à chaque fois le vendredi, vous savez que je prépare l'arrivée des enfants. Donc lundi, mardi ou jeudi. Moi je peux pas vous prévenir, je vous ai déjà dit hein, trop longtemps avant, parce que ça dépend de mon état, si j'ai une migraine, si je suis trop fatiguée, s'il y a plein de choses. Donc je peux juste vous mettre un post en communauté. Donc pour celles qui ne connaissent pas, on va y retourner. On va faire un petit cours YouTube. Alors, par exemple, je vais afficher ma chaîne. Voilà. Donc vous avez. C'est flou, mais. Accueil, vidéo, short, hors direct, playlist et tout à la fin, communauté. Donc dans communauté, je mets des petits mots. Où je vais vous dire par exemple, je vais faire un live d'ici 1 heure. Après, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas la notification pour les lives. Je ne sais pas du tout. Peut-être que pour les lives, il n'y en a pas. Ou peut-être c'est parce que je ne les programme pas. Moi, je n'ai pas de notification pour personne. Je ne fais jamais la petite cloche. Sinon, ça sonne tout le temps.
Donc moi, je regarde régulièrement si mes collègues ils font des nouvelles vidéos, mais je mets jamais de notification. C'est comme, je sais que certains d'entre vous me parlent sur Messenger. Si je tarde à répondre parfois, j'ai pareil, je mets pas de notification nulle part en fait. Les seules notifications que j'ai, c'est pour mes appels bien sûr et mes SMS. Sinon, mais vous pourrez jeter un œil, soit lundi ou mardi ou jeudi en début d'après-midi. Moi, généralement, c'est vers 1h30. Voilà. Avant d'être trop mal. Bon, pour en revenir à hier. Bah oui, ça y est. Ouais. Du coup, il rentre hein, dans mon téléphone. Hier, je sais pas. J'étais un peu... Voilà. Donc, j'ai pas voulu assister. Moi, mon téléphone, vous savez que j'en prends très soin. Que j'ai vraiment pas envie de le casser. Donc, oui, ça rentre. Après, c'est peut-être parce qu'il est neuf. Hein. Hop. Mais j'arrive pas. Bon, de toute façon, je vais voir avec quelqu'un. Pour tous mes petits conseils, tablette, téléphone et tout, parce que moi, je m'en sors pas. Je vais faire l'essai, là, mais bon. Je vais demander à Audrey, bientôt. Je sais que ça te dérange pas. Alors, voilà. Déjà, on sait pas qu'il y a une connexion, ça dit rien. Donc, je vais faire comme si je voulais envoyer une vidéo. Voilà, j'ai une petite vidéo de Julie. Je vais faire partager... sur appareil avec Smart View. Bon, soit. Aucun appareil détecté. Bon, ça tourne encore. Après, sachant que là, quand je vous parle, j'ai pas mis internet sur la tablette. Donc peut-être. Aucun appareil détecté. Pourtant, c'est branché à deux. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave, je verrai. Il doit bien avoir une solution. Hein? Voilà. et pour cette fameuse coque là, mais qui fait que derrière, là je suis très frustrée. J'ai regardé les avis du produit. Et les gens, ils s'en sont tous contents, en fait. Elle est bien, j'ai déjà fait tomber ma tablette, elle n'a pas cassé. Mais moi, je comprends pas. Si votre tablette, elle tombe... dans le sens de l'écran, elle va casser, non? Je comprends rien. Ou alors, j'en ai aucune idée. Bon, soit. On n'est pas sorti de l'auberge avec cette fameuse tablette. Enfin, moi, personnellement. Ouais, comme je vous disais, là, j'ai deux recettes en tête. Bon, déjà, faut que j'achète tous les ingrédients. Faut que je sois en forme. Et comme je vous disais, il faudrait que j'achète un truc pour pouvoir... bouger la tablette, parce que sinon, regardez, moi, je peux pas vous baisser plus, là. Sachant que, là, vous m'avez... Regardez, vous voyez, j'ai posé le paquet de petits beurre droit, comme ça. Vous le voyez même pas, et je peux pas baisser plus. Donc, pour faire une recette, c'est un petit peu compliqué. Donc, je pense que, ouais, le début du mois prochain, je commanderai, là, le truc que je vous ai montré hier. Et puis, on verra. Hein? Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser un petit peu tranquille. Hein, ça fait plus de 10 minutes déjà. Donc, je vais du coup clôturer ce vlog ici, vendredi, samedi, dimanche. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir d'avoir vu un petit peu, enfin, vu entre guillemets, les enfants. Kenzo, il était content de se montrer. Bon, même si on ne montre pas sa tête. Un jour, peut-être, je regarderai sur Temu ou quoi, si je peux pas avoir des masques, ils sont là, un petit peu moins... Halloween. Mais bon, tout ça, faut payer. Donc, c'est tout doucement, mais sûrement. Voilà. Déjà, grâce à Pépé, vous avez des vidéos avec un plus grand format. Et moi, je suis trop contente, en fait. Parce que c'est plus agréable pour vous à regarder. Donc, petit à petit. Bon, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Toujours gentiment. Et moi, je vous retrouve dès demain. Dans un nouveau vlog. Gros bisous et bonne fin de week-end.